L'ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Moriès, a procédé à la visite de l'école 241 dans le cadre du lancement de la formation élite initiée par l'ONG Ogwe Labs en partenariat avec l'ambassade de France. Depuis 2018, l'ambassade de France dans ses différentes incarnations et avec ses différents outils soutient cette école. Cette visite du diplomate illustre clairement le soutien continu de la France aux initiatives de développement des compétences numériques au Gabon. Les objectifs que nous poursuivons ici sont de contribuer justement au renforcement du secteur privé et au renforcement de l'employabilité des jeunes en direction du secteur privé. Ce fonds qui est financé par l'ambassade de France permet de financer en partie les programmes de formation qui sont développés par l'école et apporte des solutions de formation et d'emploi à un certain nombre de jeunes. Pour les fondateurs d'Ogwe Labs, cette visite est une aubaine. Pour rappel, notre première promotion de l'école 241 a été financée par l'ambassade de France grâce au programme IGIA. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec l'ambassade, d'autant plus que nous avons réussi au fil des années à créer au travers de ces programmes, de ces accompagnements, un nom, École 241, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se tournent vers nous pour trouver des professionnels. L'arrivée de Fabrice Moriès, ambassadeur de France, a permis de mettre en lumière les bénéficiaires de la formation élite de l'école 241 et marque une avancée majeure dans le renforcement des relations bilatérales et économiques entre les deux pays par le biais du développement numérique et de la technologie.